Comme j'aime le dire souvent, que vous pourrez faire tout ce que vous voulez dans la vie, vous ne pourrez jamais récupérer le RPG et donner à Mamadi Doumbouya, à plus forte raison, la ville de Cancan. Ce qui fait la fierté du RPG, la fierté du Mandingue, c'est que le Mandingue pour lequel certains tapent leur poitrine est avec le prince Alpha Condé. Le Mandingue pour lequel certains pensent qu'ils sont propriétaires de la Guinée est avec le RPG arc-en-ciel. Donc, j'ai un message pour cette population de Cancan. Et je le répète encore une fois, si Benito peut se permettre de dire qu'il a une petite maison en Guinée, c'est à Cancan. Étant de la forêt, étant de Massanta. Mais, partout en Guinée, là, Iba Kediam, Iba Raleoudi. Mamadou Seloubari, comment vas-tu? Bonsoir Mariam Kaba, bonsoir Mori Ibrahim Akonde, comment vas-tu? Donc, respect à toi mon frère Souleymane Camara. Vous avez vu le nom d'un individu qui s'appelle Talibi Dabo, que tout le monde, je dis bien tout le monde, pensait que c'était le neveu du prof Alpha Condé. Nous sommes arrivés, nous avons décanté ça et nous avons mis devant le monde entier, il n'est pas le neveu du prof Alpha Condé. Bonsoir Mohamed Touré, bonsoir grand frère Mohamed Diawara, Folie Albénie. Voilà ce qui se passe. Vous savez que rien ne passe dans les communications. Allez-y chercher tous vos petits communicants. Ils ne font pas le poids. Parce que quand tu communiques après avoir reçu de l'argent, tu ne peux pas dire tout. Et tu as honte de dire ce qui n'est pas vrai. C'est pas tout que tu peux dire. Nous communiquons pour la réalité. Nous avons vu, comme je l'ai dit avant-hier, que le bonhomme devait aller inaugurer le putain de militaire. Mais vous avez vu les réactions. Quels sont les enfants qui ont été sélectionnés? Les enfants qui sont inscrits dans cette école militaire. Ce sont les enfants de qui? Allez-y vérifier, faites la liste de tous les enfants qui sont là-bas. S'il y a un enfant d'une famille pauvre, ça n'existe pas. Quand je dis famille pauvre, allez-y vérifier, une famille, n'importe laquelle, une famille comme ça. Tous les enfants qui sont là-bas, allez-y les identifier. Si vous trouvez un seul enfant qui appartient à une famille de Anta là-bas, ou bien de Bessiaport, une famille abandonnée, ou bien de Labé, ou bien de Tougue, de Télémine, ou bien de Zéreko, de Youm, ou bien, allez-y vérifier. Si ce ne sont pas des enfants, des fonctionnaires, surtout des militaires, je dis bien des officiers supérieurs, des gens qui sont très bien sélectionner tous les enfants là. Il n'y a pas un qui appartient à une famille pauvre. Comment subitement l'ouverture de l'école, vous voyez les enfants là, ils ont été déjà sélectionnés. Donc oublions ça. Et je voudrais dire à la famille à cette grande famille de Cancan, de Nabaya, cette famille, notre famille, la famille arc-en-ciel du RPG. Et car le même mandalier, Al-Kaouleke. Nous savons pourquoi vous avez manifesté. Nous savons très bien. Parce que Bebra Soussa, c'est la troïka qui a fait qu'aujourd'hui, Moulbra Soussa, Ebra, ils ont fait le procès du 28 septembre pour que Kamol trompé. Vous avez vu, personne ne fait attention maintenant au procès du 28 septembre. Regardez, depuis aujourd'hui, regardez ce que Dadi est en train de dire. Tout. Regardez s'il y a quoi. Si, ce que j'ai dit avant la Wole Kekan, il a été un irresponsable. Nkou monte qu'elle a dit Allah Kelene, Allah Akbar, Allah Kelene. Sinon, on allait dire à Toumba de laisser Toto diriger la transition. Sinon, quelqu'un qui ne connaît même pas le patron de son propre salon, la garde présidentielle, comment elle était constituée, vraiment, il ne mérite pas d'être le chef de la gente. Donc, même fois qu'en Kankambi, bec à main. Parce que si nos noms n'étaient pas cités là-bas, parce que Mbarafoko, je ne vais jamais aider le peuple. Je ne vais jamais parler pour le peuple, parce que ça va en Guinée. Tout va bien en Guinée. Le peuple, ça va. Tout va bien, le riz,
Gombo, piment, huile, tout est là. Tout va bien en Guinée. Mais c'est le fait que quelqu'un est trop mal au communicant ou là, ben ou yafola. Voilà pourquoi Benito s'invite dans cette affaire de cancan. Bonsoir la sœur Fanny Kamala. Alors, yafola mouno. Vous savez, il y a un journal sénégalais qui avait cité tous les grands projets du professeur Alpha Condé. Ce n'est pas un journal guinéen, un média guinéen. Non. Deux médias sénégalais, mais deux OI, fin qu'elle dit, qu'on a des points de presse. Ils ont cité tous les projets du professeur Alpha Condé. Ceux qui ont été réalisés, ils ont mis dans ce journal-là. C'est que le journal est arrivé en Guinée et ils n'ont pas aimé. Ils ont essayé de trier, mais ça n'a pas marché. Donc, allez-y voir les journaux, vous allez voir les marchés construits par le professeur Alpha Condé. Surtout le marché de Bonfi. Le marché de Bonfi et le marché de Cancan. Tout ce qui est à Cancan aujourd'hui, là, quand vous demandez aux gens, là, ils vont dire quoi? Ils vont vous dire que c'est Doumbia qui a fait. C'est grâce à Doumbia. Yannick, comment vas-tu? Que c'est grâce à Doumbia. Parce qu'à ta fois, que c'est Doumbia qui a fait. Alors que c'est grâce à Doumbia que les choses sont accélérées. Et pourtant, le marché a été fini. Et c'est comme le professeur Alpha Condé était trop chargé, il voulait toucher à tout. Il attendait un grand moment pour inaugurer tous les grands projets qui ont été réalisés à Cancan. L'imbécile là, le salaud là est venu faire le coup d'état. Maintenant aujourd'hui, Cancan n'a pas de marché. Pourquoi les gens ont pensé faire le marché de Cancan? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de marché. Regardez la nouvelle gare routière de Cancan. Regardez la gare. Bec à Cancan, gare routière là. Qui ne connaît pas la gare routière de Cancan? Là-bas, là, qui ne connaît pas? Mais Alpha Condé a laissé ça, il est parti construire une gare routière. Allez-y à la rentrée de Kérouani. À la rentrée de Kérouani, il y a la gare routière hors la ville. Sali, comment vas-tu? Fumba, comment vas-tu? Sali. Ma voilà, je sais qu'ils ont attaqué ton compte, je sais ça. Vous comprenez? Donc, regardez le marché. Quand vous sortez, vous réclamez le marché. Le marché a été construit pour qui? Pour le père de Doumbia ou bien pour la maman de Doumbia? Non. Ce n'est pas un manque de respect. Le marché a été construit pour la population de Cancan. Les femmes de Cancan. Parce que Bec, il a activité principale. Quand vous partez en forêt, demandez à toutes les femmes konyanké quelle est leur principale activité. C'est le commerce. Île de Rouge. Mais quand vous demandez les hommes konyanké, c'est le transport et puis l'agriculture. Mais quand vous demandez à la population de Cancan, la principale activité, c'est quoi? C'est le commerce. Cancan est connu pour son commerce. L'agriculture, la culture d'igname, l'agriculture. Et puis le miel, la culture du miel. C'est connu à Cancan. Maintenant, Alpha Condé, qu'est-ce qu'il peut faire pour la population de Cancan? Hein? Maintenant, il a fini de faire le marché. Pourquoi vous ne donnez pas le marché? Vous voulez marchander parce que vous avez gardé, parce que le marché là devait être remis à la population depuis. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez marchander, vous voulez demander à la population d'adhérer à la cause de Doumbouya. Sinon, aïe, quand on le fait. Voilà pourquoi j'ai mis le nom de Talibi Dabo. Parce que lui, il a demandé qu'il y ait une manifestation de soutien à Doumbouya pour que le marché soit restitué. Au Kouma Brakete, 2 mois à Kouma Iro. Quel est l'imbécile qui va accepter? Le marché a été construit pour la population de Cancan. Le marché a été fait pour cette pauvre population. Pourquoi il faut d'abord une manifestation de soutien, faire démettre les t-shirts aux femmes là, que les femmes n'ont qu'à porter les t-shirts pour montrer qu'ils aiment Doumbouya avant d'ouvrir le marché? Ou bien c'est le père de Doumbouya qui a financé le marché, ou bien c'est toi, Talibi Dabo, un faux type. C'est l'une de nos erreurs au sein du RPZ. C'est vous. Vous avez profité, faire nommer vos copines, vos frères, vos soeurs, vos parents. Voilà mon frère Azamadou. Hein? Et tout le monde a cru. Tout le monde a cru en toi, là, Souad. Merci. Que tu es le neveu du professeur Alpha Condé. Pourquoi la population va accepter ça? Pourquoi? Abramé, vous êtes en train de dire non. Alousoma, marché de la Cassisense. Alousoma, Cancan. Hey, Mbara Folnyana. Même si vous remiez la terre, ICL, vous mélangez la terre, là. Cancan est un bastion du RPZ arc-en-ciel. Al-Kakenyanyama. Cancan là, c'est pour le RPZ arc-en-ciel. N'est-ce pas pour Cancan population du. On vous laisse faire ce que vous voulez. C'est une junte. Ce n'est pas un mandat.
Même si vous voulez faire cette junte-là en un mandat, le pouvoir de Doumbouya en un mandat, même si Alpha Kaké. Parce que l'olon que Dieu fait là, vous savez très bien que vous ne faites que retourner en arrière. Vous avez mis ce pays à terre. Tout est échec. Est-ce que vous avez fait quelque chose dans ce pays-là où toute la population est d'accord, où les gens sont d'accord? Qu'est-ce que vous avez fait de vous-même? Quels sont les projets que Mohamed Biavogui a monté et exécuté? Gomu qui parle tous les jours, là, dit qu'il va rendre la Guinée merveilleuse. Demandez à Gomu qu'est-ce qu'il a conçu comme projet. J'ai aimé lorsque vous avez montré la maquette du palais de la culture. On attend, les gens disent on attend que ça soit fait. Vous comprenez? Donc, je demande à la population de Kaka. Moi, je vous demande, Andrew Kalon, qui a fait le marché de Kaka? Ma sœur chérie, comment vas-tu, Brigitte et l'enfant? Al Kalon, qui a fait la gare routière de Kaka? Andrew Kalon, qui a changé les bureaux, l'administration, les bâtiments de Kaka? Ben Kalon. Al Doumbia, même prof à la Nyanap. Laissons toutes les préfectures de la Haute-Guinée. Qu'est-ce qu'il a fait à Kankan? Lorsqu'ils ont fait l'air quoi de Milo là, ils voulaient que le Milo. Les gens ont même dit que bientôt le bateau va quitter Kankan pour aller au Mali. Allez-y au Milo de Kankan. Allez-y voir le Milo de Kankan. Alka projet même fois, il y en a. Ces jours-là, ils ont forcé les gens à partir. À la Temala, ça fait de cela 6 mois depuis qu'ils ont fait leur manifestation pour le soutien au festival de Milo. À la Temala, tout ce qui a été dit là-bas par les enfants, les ressortissants, les soi-disant personnes qui aiment le cancan. Est-ce qu'entre Dieu et vous là, alors quand même Befal Nana, ils ont fait ça. Est-ce que le bateau quitte cancan pour aller au Mali? Est-ce que le bateau la quitte? Parce que Olaf Olanyana, qu'au bientôt, qu'on Mandumba va mettre combien de milliards, qu'au Kankan hier, qu'au Kamilo Singh, qu'à la Bounia, qu'au bateau du beau bateau, même très beau, la septembre au Mali, la Bamako Kana, Kankan Koordina. Alwabi, c'est fait? C'est pas fait? Ce que Alpha Condé a fait, le prof Alpha Condé, le marché là, on doit vous retourner. Et quand Nyader Lamena a refusé de marchander, Toroya et Bekan. Un jour, Dieu va vous libérer. Vous, population de Kankan, si vous portez le t-shirt de soutien à Doumbouya pour que marchez au Laka, vous allez le regretter toute votre vie. Moi, je suis témoin des personnes qui ont refusé l'Ansana Conté, qui ont vomi l'Ansana, qui ont refusé de travailler avec l'Ansana Conté. Et ça a coûté très cher à Kankan. Pendant tout le mandat, tout le temps, tout le temps que l'Ansana Conté a fait au pouvoir là, demander à toute la population, mais la ville de Kankan, qu'est-ce qu'ils ont bénéficié de l'Ansana Conté, mon Simaké. Alphana, c'est que rappelle les Kafanyana, ce sont des militaires. Certes, ils ont mis dans leur tête qu'ils vont rester 10 ans au pouvoir. Ils ont mis dans leur tête qui vont avoir la chance, comme le président tchadien a eu l'approbation de la France, de se présenter à l'élection présidentielle. Pour Doumbouya aussi, il va se présenter. Mais ce que Doumbouya ne sait pas là, que le petit Déby là, lui il est allé à l'école militaire, il a étudié. D'abord lui il a étudié. Non seulement il a étudié le Coran, en même temps il a étudié l'école, il a fait l'école française. Mais tandis que pour lui là, lui Doumbouya là, demandez à tous les anciens directeurs de Kankan, école primaire. Demandez-leur, Doumbouya s'est limité à quel niveau de l'école primaire? Quelle est l'école primaire d'origine de Doumbouya? Et à quand est-ce qu'il a eu l'examen d'entrée en 7e année à Danami? Demandez à tout Kankan. Molkalo, Doumbouya, les gens pensent que Doumbouya n'est pas connu. Il est très bien connu. Dibida la Kankan. Beka Doumbouya. Les gens connaissent, c'est un coupeur de route. Qui ne connaît pas Doumbouya à Kankan? Ote, moi-même, Malo. Donc lui, parce que vous avez vu, ils ont montré des sacs remplis de t-shirts à Sigiri. Est-ce qu'ils ont distribué? Non, parce que les propriétés de Sigiri, partout où tu pars, partout où tu rentres en Guinée,
Il y a les chefs de village, mais il y a le chef des chefs de village. Partout. Il y a, dans toutes les préfectures de la Guinée, il y a le boss, il y a le patron des jeunes. Et le, à part même le Soti qui est mort, il y a le chef des chefs. Mais ce que le chef des chefs a dit à Sigiri Bekalon, gare à quelqu'un de porter le t-shirt de Doumbouya à Sigiri. Nous allons te faire regretter ça. Est-ce que les t-shirts que vous avez vus dans les sacs là, on vous a montré là, est-ce que vous avez vu quelqu'un distribuer sa Sigiri? Demandez à tout. C'est une carte cassière. Alors, Ninika, United, comment vas-tu? Est-ce qu'ils ont distribué? Non. Propagande au Mankamba ou à Kitolomalo. Refusez. Ne marchandez pas votre dignité, Alban. Alors, quand l'offre maintenant, KO, Almala KO, le prochain président, démocratiquement élu, choisi par la Troïka, je ne dis pas des. Par tous les partis politiques, parce qu'en Guinée, là, on se connaît. On sait qui peut donner un président à travers une élection au Loni. Wallonie. Qui peut être vraiment, qui peut être à la hauteur? On sait dans ce pays, il n'y a que trois partis politiques qui peuvent se rassembler, donner un président. Amenanyanyama, les gens là ne vont pas faire 20 ans au pouvoir. Elle a le pouvoir, Amenanyanyama, dans les 3 ans. Dit. Mais Alia Lalkou ne sait pas, Doumbouya a maintenu le Kafalnyana. Alors Malala, ce n'est pas lui qui va nous envoyer aux élections. Que ça soit très, c'est-à-dire très noir comme ça. Albrané, donc quelqu'un a pressé, quelqu'un a la dignité. N'écoutez pas Talibi Dabo. Talibi Dabo, il est en fin de carrière. Et puis ce qui est grave pour Talibi Dabo, Doumbouya Babolomina, je ne sais pas quel est le parti politique qui peut accepter cet animal-là dans, au sein de son parti. Ok, parce que ce n'est pas le RPG. Ce n'est pas le RPG. Ce n'est pas le RPG. Donc, à Luban, qu'il garde le marché, qu'il refuse d'ouvrir le marché. Ce n'est pas le préfet Souma de Sigiri qui est en prison comme ça là. Et pourtant, on sait pourquoi elle a été nommée à Sigiri. Et aujourd'hui, à cause d'un problème minier. Et quand on a vérifié là, il n'est pas le seul responsable, mais c'est lui qu'on a mis en prison. C'est à cause ça que les gens ont manifesté pour qu'on libère le préfet Souma. Et si vous comprenez. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Souma qui est en prison. Mon grand, comment va-t-on? Onazis, respect à toi. Nkerentara, Onazis, 224. Respect à toi, big up, mon grand frère. Hein? Donc, ne vous fatiguez pas. Mais, ne vendez pas votre dignité. Refusez. Vous comprenez? Refusez de vendre votre dignité. Quelqu'un est en train de m'appeler, est en train de me déranger. Ne vous en faites pas. Vous comprenez? Refusez, altez. Alors, faut qu'altez. Abraham, vous le message tremblot à Falnyana. Ne portez aucun t-shirt. N'acceptez pas. Vous avez vu Sigiri a refusé. Est-ce que Sigiri aujourd'hui ne vit pas? Les gens attendent. Hein? Les gens attendent. Merci beaucoup, Yadis, tête aux familles. Les gens attendent. Moi, je le dis à qui? À tout le monde. Je le dis aujourd'hui et demain. Ne vous pressez pas. Gardez votre dignité. Laissez Talibi Dabo. Actuellement là, vous avez entendu quelqu'un qui est Souleymane là, c'est un RPGiste. Hein? Souleymane Keïta. Qui ne connaît pas Souleymane Keïta? Souleymane Keïta, lorsqu'on l'a dénoncé aujourd'hui, il est à Kanka. Il est en mission, en cachette. Souleymane Keïta est à Kanka, en cachette. En train de travailler. Albele, c'est le groupe de Talibi Dabo. Ce sont des RPGistes, c'est des gens. Et hier aussi, tous les petits anciens ministres là, ne vous en faites pas. Vous pouvez jouer votre dernier temps là. Faites tout parce que vous avez la promesse de Doumbouya là qui va rester au pouvoir. Mais nous allons vous montrer le contraire. Priez Dieu que les féticheurs, les marabouts comme les Boakarli qui vous ont dit que Doumbouya peut rester au pouvoir et que c'est lui Boakarli qui peut le remplacer. Je ne sais pas, que c'est long, parce que le fils de Waliou, d'un imam de Kidingraé, écoutez toutes ces anneries-là, hein, écoutez tout ça-là, prenez ça en compte. Prenez ça en compte et faites-nous la guerre. Ok, nous ne sommes pas pressés. Nous ne sommes pas pressés. Vous comprenez, nous ne sommes même pas pressés. Aujourd'hui, ce sont ces... On dit Benito Fardon, il faut laisser les anciens ministres, pardon, il faut les laisser, ils ne sont pas importants.
Moi, ils sont très importants parce qu'ils sont malhonnêtes. Beaucoup parmi eux sont des malhonnêtes. Ma sœur chérie, comment vas-tu? Comment vas-tu? Ils sont malhonnêtes. On sait que quand je parle d'eux là, ce n'est pas tous les ministres de la Fakorele. Ce n'est pas tous les ministres du PRAC. Ils se connaissent très bien. Ababamen, Nambala ou le faux. Ababamen, Dimi. Il faut payer tes communicants là pour venir me répondre. C'est tout, c'est très simple. Paye tes communicants et non qu'à venir répondre. Mais nous ne sommes pas pressés, nous ne sommes pas pressés. Dans ce pays, nous connaissons ceux qui détiennent 95,67% de l'électorat guinéen. C'est connu, c'est-à-dire c'est indiscutable. C'est le RPG, c'est l'IFDG, c'est l'IFE. Depuis que vous avez commencé à faire vos congrès ou quoi là-bas, dialogue inclusif, vous avez tellement employé le mot inclusif, tellement que le mot inclusif a été employé partout. Partout, vous faites un résumé. Un document de dialogue là, vous mettez le dialogue inclusif réussi. Mais pourquoi la communauté internationale ne parle pas de ça? Pourquoi elle n'a pas pris en compte? Pourquoi jusque là nous sommes, surtout le dernier dialogue là, hein, le dernier dialogue là, hein, le dernier dialogue là, est-ce que ça a pris? D'ailleurs, sur le dialogue, le seul dialogue qui a été rejeté immédiatement, le lendemain même, qu'est-ce que le président, Bissau-Guinée a fait? Président en exercice de la CEDEAO, il a reçu la bonne frange, la frange la plus dure, la plus solide, la plus organisée, la frange qui détient le pouvoir à Guinée. L'IFDG, le RPG et l'IFR ont été reçus par le président Bissau-Guinée. Et vous avez vu comment cela s'est passé? Vous avez vu le compte-rendu qui a été lu par l'honorable Sylvain Ndiallo? Vous avez écouté Sylvain? Nous ne quitterons jamais derrière nos 10 recommandations. Les 10 recommandations là, c'est une exigence. La vie de la Guinée dépend de ces 10 recommandations. Si les 10 recommandations ne sont pas appliquées là, nous n'irons nulle part. Et nous sommes là-bas. C'est le point. Ou bien quelqu'un a bougé. Personne n'a bougé, nous sommes là. Ce que nous avons demandé là, c'est là. Et personne ne va changer. Ça ne changera pas, c'est ça. Parce que ce n'est pas une question de cellules. Ce n'est pas une question de Sidia, ce n'est pas une question de Kassouri. C'est une question de Guinée, la République de Guinée, dans les 10 recommandations. Donc on ne peut pas être juge et puis participant. On ne peut pas être arbitre et footballeur. Depuis que nous avons dit à l'ancien Akuyati, nous avons dit à Komara, nous avons dit à Baouri, et aux petits, hein, les petits communicants là, ou en tout cas l'ensemble du groupe là, si vous êtes sûr que vous êtes populaire, vous êtes la nouvelle frange, la bonne partie de la Guinée là, allons aux élections, on n'exclut personne. On n'exclut personne. Si on n'exclut pas Sylvain, on n'exclut pas Sidia, on n'exclut pas Kassouri. Vous pensez que si nous faisons la compétition égalité, égalité, vous pensez avoir même... Mais depuis que la Guinée est Guinée, vous avez eu combien? Vos statistiques sont là-bas. Allez-y demander à Maurice Condé de vous sortir les statistiques au niveau de l'administration du territoire, ils vont vous montrer ça, c'est tout, c'est indiscutable. En Guinée, il n'y a que 3 partis politiques. Et maintenant, là, Dieu a vu, voilà ce que nous avons dit et nous avons eu raison. Le week-end passé, vous avez reçu de nouvelles voitures, vous avez reçu chacun un chèque de combien? Un chèque de plus entre 100 et 200 millions. Baouri, Fayamini Mono, l'ancien acteur, vous avez reçu de l'argent. Hein? Makale aujourd'hui roule dans l'argent, Makale a tout aujourd'hui, les Chabas. Vous avez l'argent. Mais nous n'avons pas l'argent. Nous avons le peuple. Et nous refusons de s'ajouter à vous. Et vous n'aurez jamais les 3 là, la troïka. Vous avez vu, comment on appelle ça? Quelqu'un a eu vraiment attiré l'oreille de Sylla, de partir, de quitter la Guinée. Sylla a quitté la Guinée. Sylla ne viendra plus en Guinée tant qu'il n'y a pas élection présidentielle. Sylla là. Heureusement même qu'il a quitté la troïka, il a quitté notre groupe parce qu'il n'est pas crédible. C'est quelqu'un qui est capable d'aller vendre nos informations au sein de Dieu. Il est capable, c'est un vieux fatigué comme El Serona, qui dit tout, qui n'importe quoi, qui dit tout, qui ne garde rien. Tantôt aujourd'hui c'est Alpha Condé qui est bon, Alpha Condé qui est le meilleur, demain c'est Doumbia, il est tout. On dit ouais, voilà un de ses enfants qui entend nous insulter, qu'il est pour tout le monde. Donc population de Cancan, Ibrahim Ba, comment vas-tu? S'il vous plaît, Ibrahim Ba, j'aurai le temps de t'appeler. Yote, pardon, j'ai oublié, tu m'as donné le numéro, je vais t'appeler mon frère. Je vais t'appeler Mie Guitali. Donc, population de Kanka, Ayake Alei, Mbalamburo Flakete, Ayake Alei, pour l'amour de Aïban,
Refusez de monner vos dignités. L'offre même l'onodi. Le marché là, ce n'est pas pour le père de Doumbouya. L'offre même l'onodi de Mouotate. Marché même au Mouotate. Mais elle m'a manifesté pour que Doumbouya, le départ de Doumbouya, cela ne vous concerne pas. Mais vous avez manifesté qu'on vous restitue votre marché. Alcoolien, qu'on a le cas Doumbouya soutenu, avec Alafani Doum. Alfanan ka ben fo di c'est normal. Vous êtes dans la politique, vous avez Alpha Condé le long, Alka RPG le long, donc Alte Bola Mossié. C'est ça aussi la dignité. Anna l'a dit. Anna l'a dit, puis Anne Sœur l'a dit, Antenne l'a dit. Et quand on a même Mosso de Daroué, qu'on a un climat là-bas. Mais la réponse d'une autre maman, au dira Damabe, quand on a Alpha Condé a ni là, maman, Ibarkaoula. Maman la sini kende a dima. Quand le calo Alpha Condé a ni la. Ambra Alpha Condé se veli ke la kabla. Ambra l'onka Alpha Condé la anna parti, je anna parti kuna. Ambra me andoum da, Alpha Condé ma boy folo. Ambra me andoum na, Alpha Condé le mansadi. Ambra me andoum na, Alpha Condé halibi Alpha Condé a ni la, kwa kende, kwa jankaronte. Na Ibarkaoula al misra la. Même Béfona la Bétunya. Alkamanina Alpha Condé Kende. Fouste Alpha Condé là. Alle ka Jankaro la Alpha Condé là. Alle ka Alpha Condé di Sassini Kende. Ole ka ke Kudita ki Alpha Condé là. Alle ka Falnina. Ko Alpha Condé se tamana. Ko ati se kumala. Ko Alifa est dans un mois. Alpha Condé wo yani là. Alpha Condé présent nous reçoit là. Alpha Condé ko be kalabi. Al barka wala. Alkamanina wala. Men ka ou Falnina. Andoni no ankro lou. Men ka ou Falnina là. Al tuyala. Donc ou tal kuno. Alte, ala vocalte, ala vocalte, alte mola fani duna. Sinon, depuis sans que le netin, ali bibite, ama kanka masolo. Tolombe brake kanka, ale dumbia de moussou brawaye. Kosoube, dumbia de moussou lozen tre bobela, alfa kone ka bon lo. Nkal han klima yarlo, anna laldi, ankon laldi. Alwe re yanya loba. Al men beke la oudi, al boa kanka, alo si la bombela, donc alo, alfa kone. Alba Kankan, alors non que la bombe là, donc alors, Alpha Condé. Société même de donc alors, Alpha Condé. Même Banaka, Falmena, Ala Tininika. Doumbouya et Kankan Kaledi, Doumbouya Kamouke. Ala Ninika. Talibi d'abord, mais il a demandé à Talibi à Kamouke. A Talibi Ninika, Kamouke. Après, comment Bana? Donc, folie baye, n'y a qu'à y faut, bientôt qu'à y faut. Respect à vous. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup. Donc, je reviens sur la manifestation du 14 janvier à Paris, avec le RPG Europe. Avant, nous avons un exemple qui est le pour qu'on a parti, même fort, Manikakano. Pour qu'il y ait long. Quoi, RPG est en Nila, RPG est en Nila, RPG est l'onné. Et puis, RPG est Fankat, RPG est en Nunkatambi Bika. Fanka est même RPG la bi, à non Fankate. Alpha, RPG ma non Fankasolo. Ya, dans les récoltes, le coup, ma colonie, qui est Alpha Condé, bi, RPG Fankasolo Katambi. Bi. Il va que coup, qui est la Guinée. Faut RPG, car d'autres cafés, le camp brassa, quand t'as brabant. Mais bi, RPG, quel est le Madia Hero. Donc, RPG, quel est le RPG, mais Europe. Anna RPG, bah, mais Europe. Na beya kuna Mamoudou Sila Grèce. Mamoudou Sila il arrive demain à Paris. Mamoudou Sila Grèce, ministre de la vérité. Ou Kankana. Kankana à Paris. Toulomba le Paris. Kouka il a Dunyala. Mais la Guinée. Kourou Kole. Monsimandou. Monsimandou Kole. Monsimandou. Koukana na fouta ka dit français. Toi boulte de. J'ai dit bien toi boulte français lou. Aïe, car le coup d'Oumbia Moussou, française, le dit. Aïe, bra, et le flan, d'Oumbia Moussou, la Guinée, aïe, fait natra la yorobe. Et c'est, d'Oumbia Moussou, aïe, na l'ombe, ko association des femmes pour tel tel, association de Tefantagbe yorobe, ko, ouais, grâce à la femme de d'Oumbia, l'hôpital la marche aujourd'hui, aïe, an mama yaba obé, yéna. Ou bien, yéna kaba moke. Yéna kaba a fait mille fois que ça. Maman Ariette Conté, personne n'a fait plus que ça. Kayot 7 Conté, maman, elle a fait plus que ça. Ambra obéi.
Mais différence mais alouté. Anta domenta drogue ou dile. Drogue ou dian ou dien sudani. Ou le tani. Koka mama ya kala. Alkana son. Alam bela kanda. Donc RPZ Europe. N'oubliez pas le 14 à Paris. Avec Mamoudou Sila, avec RPZ Europe. Rendez-vous, je dis bien rendez-vous le 14 à Paris. Maintenant, ceux qui disent là que c'est. Non, le RPG s'est associé à l'IFDG, tant pis pour vous. Restez à la maison. Nous n'avons pas demandé de démagogues là-bas. Voilà, vous partez, vous ne. Il y a des gens qui manifestent devant les ambassades ici là. Il n'y a que 10-15 personnes. Tout récemment, j'étais à Washington. Vous avez vu, j'ai filmé avec les Ukrainiens. Ils étaient un nombre de 10. Mais vous avez vu, il y avait un journal, un média qui était là, qui est en train de filmer. Il va mettre ça. C'est au fil du temps que les gens vont regarder. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que Naka Mendiaïwa a le signeco parce que Ambran associé IFDG. Mais oui, merci beaucoup, Oumundoy. Les gens vont partir. Moldiwa. Il y avait même de l'autre côté là-bas, devant la Maison Blanche, de l'autre côté ici. Il y avait connu, c'était la Chine. Qu'on appelle cette communauté meurtrie en Chine là, que les Ouïghours, les Ouïghours, ils étaient au nombre de 20 comme ça. De 20 comme ça, ils étaient quelque part là-bas, ils sont en train de parler. Quelqu'un est en train de les arrêter et peut mettre sur la toile, partout, à TikTok, YouTube, partout. Mais nous, nous sommes là-bas, même si nous sommes 10 ou 50 ou 100. Mais manifester, c'est manifester, parce que les gens vont comprendre. Mais mon frère Diamanawala, voilà des gens, des individus comme ça là, qui sont limités. Merci beaucoup, beau fils. D'accord. Donc, portez-vous très bien. Merci. Et nous remercions avec toutes nos forces, le RPG Europe. Voilà. Merci beaucoup à Lubari. Merci à Lubari de l'avoir répondu. Nous demandons au RPG Cancer Europe de mobiliser tout le monde. Nous savons aujourd'hui que nous travaillons avec la Troïka. Moi, j'étais en contact avec Frère Jules de ce matin. Frère Jules dit qu'il arrive, il quitte Bruxelles, il arrive à Paris le 12. Voilà. Donc, Frère Dulde, avec le groupe, j'ai oublié le nom. Il m'a donné le nom de leur groupe. Donc, ils vont quitter, voilà. Ils vont quitter, comment on peut ça? Ils vont quitter Bruxelles le 12. Ils seront à Paris et puis ils vont rester jusqu'au 14. Merci, beau fils. Donc, Frère Dulde, là, ce n'est pas un malinqué, hein. Voilà. C'est pas un malinqué, ce n'est pas un sous, c'est un peul. Il est de l'IFDG. Il dit qu'il sera de la partie. Voilà des gens qui respectent. Voilà. Voilà des gens qui se sont dit, nous sommes dans la Troïka, nous sommes unis maintenant. Parce que Sylvain Ndiallo ne parle pas au nom de l'IFDG. Sylvain Ndiallo parle au nom de la Troïka. Voilà. Mais il y a des petites personnes là. Bon, nous, on ne peut pas les condamner. Parce que d'autres aussi sont nés comme ça. Et ils sont comme ça. Même si tu remis, tu fais comme ça, tu les donnes des milliards, ils sont tout en limité. Voilà. Et là, ils sont là, ils ne bougent pas. Et nous n'allons pas passer notre temps à les faire comprendre qu'aujourd'hui, là, ce n'est pas un problème de l'IFDG, ce n'est pas un problème de RPG, ce n'est pas un problème de IFR. Nous avons vu Sékou Koundouno en train de parler avec notre papa Kourouma, Sékou Swapé Kourouma. Hein? Sékou Koundouno est arrêté en train, quand ils sont partis en Guinée-Bissau, notre papa Swapé causait avec Koundouno. Koundouno, ils ont fait le combat contre le procès Alpha Condé. Voilà la politique. Mais Ali Bidoul, Falan, d'autres, jusque-là, là, ils sont. Ça dit ici, là, on dirait, je ne sais pas ce qui est dans les têtes. Comment on va tuer. Et puis, restez dans ça. Ne bougez pas. Hein. Celui qui bouge là-bas, là, ça, c'est ton problème. Nous avançons. Aujourd'hui, là, un Peulba, un Soussou, un Malinké ont mis de côté leur nom de famille, leur ethnie. Ils sont dans la Troïka. Nous parlons de la Troïka. C'est la Troïka qui va manifester. Si vous voulez maintenant partir. Mais ne dites pas que non, le fait que Ambran est associé à l'IFDG, on y va. Tant pis pour vous de rester là-bas. Et vous avez vu ce qui s'est passé à Kankan aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y avait que les femmes malinquées? Il y avait les femmes. Kankan, même, allez-y à Kankan. Le quartier Timbo, là, c'est un nom peu, non? Timbo. Timbo, c'est un nom peu. Kankan est plein aujourd'hui de peuls qui ont fait des enfants qui ont grandi là-bas. Certains même ne connaissent pas les préfectures. Vous pensez que nous allons rester dans cette situation de peul, malinqué, soussou, se rentrer, sortir comme ça? Nous ne sommes pas vissés à ça. Nous évoluons. Maintenant, vous pouvez rester. Parce que c'est ce que vous voulez nous faire avaler. Quand on ne s'associe pas à ces loups, il est ceci, cela. Et pourtant, lui, il est plus digne. Au moins, lui. Hein? Lui, au moins, lui, c'est loup d'Alain Diallo, en personne, au moins.
a pris son téléphone et a appelé le professeur Fakonde. Lui, c'est lui, accepte de causer avec le professeur Fakonde. Et vous, vous êtes là. Et vous, vous êtes là, restez là-bas. Aujourd'hui, et là, c'est d'aller de même le président Mbalo, qui avec le professeur Fakonde, tout le monde savait ce qui est entre les deux. Mais il a pris son téléphone, il a appelé le professeur Fakonde. Même toutefois, il appelle, il cause avec lui, il demande son avis, et puis il cause avec lui, ils obtiennent des informations avec eux. C'est ça même, Fumba, merci beaucoup mon frère. Vraiment un débat de caniveau. Restez dans ça. Mais Aïka Alonko, votre problème ne se trouve pas dans le refus. Nous, on vous connaît, on connaît la connexion qui est entre vous, les petits Mandengla et l'entourage de Doumbouya. Depuis que vous avez entendu parler du 14, là, ils ne font que vous appeler, vous transférer les 100 euros, les 200 euros, parce que vous ne pouvez pas trouver ça de vous-même. Nous savons très bien, merci Djibril Kone. Depuis avant-hier, on nous dit que les proches de Doumbouya là, ne font que transférer des 200 euros, 100 euros. Toi, tu ne peux pas te trouver 100 euros. Toi, tu ne peux pas te trouver 200 euros. Hein? Qu'on a un grand bras 300 euros là-bas. Un grand bras 200 euros là-bas. Un grand bras 100 euros là-bas. Ça, c'est quoi? Maintenant, vous êtes en train de dire aux gens là-bas, non? Hein? Quand on a fait qu'il y a là, Amara et autres là, ils vous ont promis 200, 300, 500 euros. Et puis, à mes parents qu'on y a qui là. Ils sont en France là. Ni comment qu'on a fait là. Moi, c'est niveau matin. Avec beau, Konyakoro. Moi, te Konyakoro, moi, te Maningakoro, moi, te Sukoro, moi, te Fulakoro. Kalo, moi, je suis madolme. Kaku madolme. Mais, ne ma kuna male, nda fe kandala doro bake. Nda fe kandala bake, quoi. Vane. Mais, beka Konyalo. Ne fo komena nyalo ka fo Konyaka mofouye. Comment n'a l'occasion pour cognac à mon fou cognac à mendi c'est voilà qu'à boca à baraka et à cardom n'a l'on comment là n'est moi pas si c'est n'a l'occasion pour cognac à mon fou yé faut comment yo cognac à d'ici cambrin du bar la guinée. Café qui m'a compris, qui a coupé ma foi, qui a quitté, ni qu'aimé la waïma. Il est qu'aimé homme naïdam, ida balan pou, il m'a fous faro, il est cognacadi. Beka molon parale, ma kamolon dirolo yama. Mais bi moi, moro colon yavé l'on fait belbi. Ni moro colon yina bi, asia mambari, yaina cognac à l'Europe, asia mamba. Qui si ka ou lamna? I see I laimori wolla waima laimori des impôts ay wolla waima ay omina ay makun I see amara wolla waima ay omina ay makun ya dunya ye we dunya ye dunya bi dunya fawan dunya onyale wati mend tami abe alpha Condé mete professeur Alpha Condé Alpha Condé ka valel men di Konyaka mai kalo. Konyaka ike assemblé prisane oken Alpha Condé telero. Konyaka ike misle fokat asia mamba ke député le oken Alpha Condé telemenro. Mais bi avait son ka wolamna ka black romain suivi. Sangi bisaba sangi kono, sangi binan. Ani ala tem amara fateno. On va dire même ay betey amara fa kamde ke masana kalwe kamde ke belay kamde ke krawaniye jere kore ay kamde so amara fala mais o le fane comme ay loni ay loni bi ay loni sibi fini tayma o nek hey ay le men to de la mama fula la twi et puis alu le kalma message la ma grand frère ay gita ate. Tante. Ne ma bounia konia dou. Ne bounia ne foutale. Quand zoron fouta, quand bounia fouta. Mais zoron fa. Vron. Zoron fa, men nan zorona. Vamia. Atiya ma menge. Ne konia kanvo. Nzani tanifla. Ne konia kanvo. Deve san tanifla son. Ne konia kanvo. Men gam va en va do manu be kaseneke sou préfère tale me kaseneke va do manu adole kanga onya kaseneke sene kaseneke
va yere ka dabam na kaseneke village ko na ta no no commandant no 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 kaseneke konya ka lo no lema konya ka din lo no lema iwe konya ka dina boro mombli pana ka hein bi aibe o beblo ka bi ki si ka ki ki hein ki si ki se na lesama ko orinato comment croire qu'un insigne délé? Hein? Comment insigne délé? Comment croire une insigne délé barabi? Aïe croire une insigne délé barla ou bien aïe croire? Alors le valo c'est une signe ou bien la casola? Fengé grand frère Kuruma était casola Ibrahim Kuruma ou bien moi croire que batolé ou bien aïe croire que t'es? Moi fallait être casola Vadamaro ou bien aïe fatolé? Ali ça va kafuka ifate. Odi nyaye. Ya paplo ifate. OK. Frère Kuruma. Ibrahim Kuruma. Donc moi si croquette. Konyaka moi croquette. Atato e wa ko moi croni bala moi croni ndumbi anyule. Akai baralo ay kalo kafo jire wolula ele. Bekai lo baralema. Hein? Même George Weah avec Massale, George Weah avec Massale Liberia, il s'est basé sur quoi, sur qui? C'est pas sur les Konyanké, comment on appelle ça au Liberia? Et la famille comme Manyalo, le Konyanké, Konyankala, hein? Amara comme des diamants, Amara fa. Même au Kumatui. Moi maintenant, moi, c'est quand il a dit là qu'il faut Konyanké et Molé, où est la prochaine fois qu'on le. Comment faire que le président de l'Assemblée, comment faire que le ministre, comment faire que le président de l'Assemblée, il y a un peu de temps.